tirait chaque jour autant de lapins de son chapeau, il a dû fréquenter la même école que Harry Potter. Mesdames, messieurs, Paul Hood. Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue à Lingo. Aujourd'hui, solstice d'été. Bravo! L'été s'amorce officiellement aujourd'hui. Souhaitons-nous un bel été, tout le monde. Deux nouvelles équipes vont s'affronter aujourd'hui. Tout d'abord, deux amies, ce sont deux étudiantes. La première est de Sorel, Marie-Claude Parenteau, et la deuxième de Saint-François-du-Lac, Marie-André Lambert. Les Rouges font leur entrée à Lingo aujourd'hui. Deux sœurs composent l'équipe des Verts, de Brossard et de Woburn, Marie-Roy et sa sœur Lise. Allons tout d'abord faire connaissance avec les sœurs Roy. Bonjour Lise. Bonjour, monsieur. Et bonjour Marie. Bonjour. Bienvenue à Lingo. Lise, vous êtes de Woburn. C'est à quel endroit? Situez-nous un petit peu, Woburn. Okay, je m'attendais à la question. C'est environ 100 km à l'est de Sherbrooke. À l'est de Sherbrooke? Oui, vers les frontières du Maine. C'est ce que j'allais dire. Vous n'êtes pas tellement loin de la frontière américaine. C'est ça. Quant à vous, Marie, vous êtes de Brossard. Oui. Ça vous fait quand même un petit bout pour aller visiter votre sœur. Oui, mais c'est toujours un grand plaisir. Ben oui, comment? C'est une très belle région. Oui. Mesdames, je vous souhaite la bienvenue à Lingo. Merci, l'équipe monsieur. Des Verts, mesdames, messieurs. Marie-André, bonjour. Et Marie-Claude. Vous avez remarqué combien nous avons beaucoup de Marie. Aujourd'hui, nous avons Marie, Marie-André et Marie-Claude. Marie-Claude, vous êtes de Sorel, c'est bien ça. Étudiante à quel niveau? Je termine mon cégep. À Sorel? Oui. En quelle spécialité? Arts et lettres. Arts et lettres. Oui. Alors, ça prend des lettres ici, ça prend un art pour maîtriser le jeu de Lingo. Quant à vous, Marie-André, vous êtes de Saint-François-du-Lac. Oui. C'est à quel endroit, ça, exactement? C'est entre Sorel et Nicolet. Ah, bon, 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 d'accord. Et vous aussi, vous êtes étudiante. Oui. À quel niveau? Comme Marie-Claude. Ah bon, deux cégepiennes, quoi. Oui. Est-ce que vous êtes également en arts et lettres? Oui. Bon, eh bien, mesdames, on vous souhaite la bienvenue et on vous souhaite la meilleure des chances. Nos deux équipes sont en place pour aujourd'hui. Deux nouvelles équipes vont s'affronter, donc, dans un moment, après la pause. Bonne chance. Alors, à Lingo, on cherche des mots qui valent 50 points ou 50 $ en première ronde. Ce sont des mots de 5 lettres. Les noms propres ne sont pas acceptés. On accepte cette année les interjections, les onomatopées et les verbes à l'infinitif seulement. Voici les grilles de jeu de chacune des équipes. Tout d'abord, les rouges, Marie-André et Marie-Claude, une grille de jeu composée de 25 nombres impairs. On pose 8 boules jaunes sur cette grille. Et pour ne pas être en reste, Marie et Lise bénéficient d'une grille de jeu également, composée de nombres pairs. Voici les 8 boules jaunes aux mêmes endroits. Une ligne complète, c'est-à-dire horizontale, verticale ou même diagonale, vaut 100 points. C'est ce qu'on appelle faire un lingo. Bonne chance à nos deux équipes. La première à jouer est Marie-André Lambert. On cherche un mot en C, Marie-André. Cache, C-A-C-H-E. C-A-C-H-E, cache. À vous, Marie-Claude. Croix, C-R-O-I-X. Et ça permet de placer correctement un R. Crise, C-R-I-S-E. Une seule lettre à trouver. Crime, C-R-I-M-E. Et un départ. Canon. Pour les rouges qui marquent 50 points. Alors, Marie-André et Marie-Claude, montrez-nous que vous savez bien brasser et retirer deux boules, s'il vous plaît. Le 33. Le 45. Et le 45. Oh, c'est bien ça, sur la même ligne. Donc, il ne manque que le 7. Le 7 chanceux pour obtenir déjà un lingo. 50 à 0 pour les rouges qui jouent avec Marie-André F. Fifre, F-I-F-R-E. Foule, F-O-U-L-E. Fagot, F-A-G-O-T. Ça, c'est bon. Oh, Marie-Claude, pourtant, il y avait deux lettres à replacer. Donc, Lise et Marie, vous avez en plus le privilège d'obtenir une lettre bonnie. La troisième du mot, c'est la lettre T.
Il faut une réponse. Fatal. Oui. On les pèle? F-A-T-A-L. Fatal. Oui. Je vous rappelle qu'il faut faire vite, hein? On n'a que 5 secondes pour dévoiler le mot et les plier automatiquement. Marie-Élise, s'il vous plaît, retirez 2 boules. 52. Le 52. Le 2. Voilà, 2 boules placées donc sur la grille des verts qui reprennent le contrôle du jeu, alors que l'égalité, c'est 50 partout. Lise, c'est à vous. P. I-P, P-I-P-E-E. Palu, P-A-L-U-S. Pente, P-E-N-T-E. Promu, P-R-O-M-U. Dernier essai pour Lise. Probe, P-R-O-B-E. Oh! Alors donc, il n'y aura pas de lettre bonnie pour Marie-André et Marie-Claude, étant donné qu'il ne manque qu'une seule lettre. P-R-O-I-E, proie. Proie. Et c'est le mot qu'on cherchait. Le mot proie pour 50 points pour vous. Le 51. Le 71. Et le 71. Alors, on cherche toujours à obtenir du côté des rouges le 7 sur la dernière ligne pour créer un lingo. C'est à Marie-Claude de jouer, bien oui. Lettre O. Oubli. O-U-B-L-I. Océan. O-C-E-A-N. What? O-U-A-T-E. Oison, O-I-S-O-N. Oison. Et une dernière ligne pour Marie-Claude. Ortie, O-R-T-I-E. Excellent! Le mot ortie pour 50 points. C'est 150 à 50 pour les rouges. Marie-Claude vient de faire connaissance, mesdames, messieurs, avec l'une de ses infâmes boules noires. Alors, ça redonne le contrôle à Marie chez les Verts. Marie, un mot de 5 lettres dont la première est un M. Monte. M-O-N-T-E. Merci. M-E-R-C-I. Oh, ça, c'est bien. Malu. M-A. L-U-S. Malu. Alors, c'est accepté, bien oui. Mardi. M-A-R-D-I. Et une dernière ligne pour Marie. Mirer. M-I-R-E-R. Excellent, Marie. Bien joué. 50 points de plus pour les Verts. Tout demeure à bonne portée des rouges, hein? C'est 150 à 100 pour les rouges. On retire 2 boules, s'il vous plaît. Oh. Alors? L'infâme boule noire. Lise, vous avez tellement bien fait ça, je vais vous demander de me remplacer la prochaine fois. Voici Marie-André qui prend le contrôle du jeu pour les rouges avec un mot de 5 lettres. La première est un T. Toute. T-O-U-T-E. Excellent départ. Truie, T-R-U-I-E. Toile, T-O-I-L-E. Total, T-O-T-A-L. Oh! Pourtant, on avait fait du bon travail chez les rouges, alors... La 3e lettre du mot va apparaître. Droit de consultation pour Lise et Marie. C'est un Q. Toc. T-O-Q-U-E. Et toc! L'égalité vient d'être créée. 150 points pour les rouges et les verts. Et on retire 2 boules, s'il vous plaît, Marie et Lise. 56. Cinquante.
54. Alors, où est le 54? Ah, ça, c'est bien. 56 et 54, c'était dans la même colonne. Donc, il ne manque que le 46, mesdames, pour compléter un lingo et obtenir 100 points de plus. Toujours au vert de jouer. Lise, cette fois. Ronde. R-O-N-D-E. Recrue. R-E-C-R-U. Rital. R-I-T-A-L. Une seule lettre pour Marie. Rival. R-I-V-A-L. Et les verts, maintenant, Marie-Élise, prennent les devants. Beau travail là-dessus, Marie-Élise. On cherche à obtenir le 46. 42. Et aussi le 4 ferait l'affaire. 16. Et le 20 également ferait l'affaire. Dans les deux diagonales, 20, 4 et 46. 44 également. Donc, il y a quadruple possibilité de lingo pour les verts qui gardent le contrôle du jeu avec Lise. Smalt. S-M-A-L-T. Supin. S-U-P-I-N. Supin. Score. S-C-O-R-E. Soupe. S-O-U-P-E. Soupe. Alors, c'est un dernier essai pour... Saucie. S-O-S-I-E. Il ne manque qu'une seule lettre pour trouver ce mot, et c'est bel et bien saucie. Bravo. Plusieurs possibilités de réaliser un lingo. Bonne chance, Lise et Marie. Numéro 44. Et le 44 complète. La première ligne, c'est un lingo pour Marie-Élise. 100 points de plus et un score de 350 à 150. En faveur des verts, Marie-Élise, on va vous offrir une nouvelle grille de jeu. 25 nouveaux nombres, paires pour l'équipe des verts. Ça va très bien pour Marie-Élise qui ont pris, qui ont battu une avance de 200 points. Alors, Marie, c'est à vous de jouer. Lettre A. Aulne. A-U-L-N-E. Ami, A-M-I-C-T. A-M-I-C-T. Roger, oui. Oui, un vêtement liturgique, c'est ça. Alors, A-L-O-R-S. Avec. On l'épelle, s'il vous plaît. A-V-E-C. C'est même pas bon. Et évidemment, il manque une lettre. Donc, Marie-André et Marie-Claude ont droit de se consulter. La deuxième lettre apparaît. C'est une lettre bonnie. Un T. Atlas. A-T-L-A-S. Atlas. Tout à fait. Alors, vous avez pu bénéficier effectivement de cette lettre bonnie. On pourrait obtenir un lingo avec le 7. Le 43. Le 55. Et le 55. Alors, le 65, également dans la dernière colonne, et le 7 sur la dernière ligne feront l'affaire. Il y a 150 points seulement qui séparent les deux équipes. Marie-André. Gnome. G-N-O-M-E. Gnome. Dernier jeu de cette première ronde. Goule. G-O-U-L-E. Gâché. Épelez-le, s'il vous plaît. G-A-C-H-E. Gâché, oui. Gâché, on est en train de vérifier, donc, avec notre ami Roger. Elle a dit gâché, oui. Gâché, donc, c'est refusé. C'est refusé. Alors, donc, nous allons passer à Marie-Élise et vous offrir la deuxième lettre du mot. Un R. Gruau. G-R-U-A-U. Gruau. Et c'est bon pour 50 points de plus. Je pense qu'il est inutile de faire le tirage puisque vous n'aviez pas inscrit de boules. Non, c'est impossible de réaliser un lingo avec simplement deux boules. Donc, le score est final, mesdames, messieurs, en cette première ronde. Les verts, Marie-Élise Auroi, 400 points. Les rouges, Marie-Claude Parenteau et Marie-André Lambert, 200 points. Marie-André et Marie-Claude. Voilà, voilà.
Alors, Marie-André et Marie-Claude, on vous remercie d'être passés à Lingo. Vous repartez avec 200 $ et on vous souhaite un très bel été. On va retrouver Marie et Lise en ronde finale. Elles vont s'attaquer aux 1600 $ immédiatement après cette pause publicitaire. C'est la ronde finale. Nous sommes en compagnie des sœurs Marie et Lise Roy. Mesdames, félicitations. Belle première ronde. 400 points, 400 $ obtenus. Et vous nous avez également amené des mots qu'on n'entend pas assez régulièrement. Smalte, par exemple. Oui. Qui est un colorant, c'est bien ça? Colorant bleu, azur. Oui. Et supin aussi. Oui, oui. Et un substantif. C'est ça. Exactement. Alors, donc, ici, en ronde finale, l'important, évidemment, c'est de ne pas faire de lingo. On comprendra pourquoi, oui. D'ailleurs, en regardant la grille de jeu dans un moment. Vous avez le droit de vous consulter en tout temps, ici, bien entendu, et vous obtenez toujours deux lettres au départ de chacun des mots. On inscrit les 50 $ de consolation quand on crée un lingo, mais évidemment, ce qui nous intéresse, c'est la première étape, 100 $ en route vers les 1600 $. On l'espère. Oui. Voici la grille de jeu de la ronde finale. Alors là, on va placer 12 boules jaunes. Et donc, je vous rappelle l'important, pas de lingo ici, ça signifie élimination. Êtes-vous prêtes à jouer, mesdames? Oui. Alors, Lise et Marie, je vous souhaite la meilleure des chances. Voici les deux lettres qui apparaissent du premier mot, R, et avec un T au milieu. Rital. Rital. R-I-T-A-L. Raté. R-A-T-E-R. Raton. R-A-T-O-N. Raton. Bravo. Alors, c'est pas trop mal, ça. Oui, hein? Ça va bien. Trois essais, ça veut dire trois boules à retirer en tirage. Mais attention, Marie, vous avez oublié... Mmh. Vous avez oublié... Qu'est-ce qu'elle a oublié? La boule d'or. La boule d'or! La jolie boule d'or. Que je place à l'intérieur et qui vous évite à avoir à faire des tirages. Excellent. Alors, s'il vous plaît, allons-y. Et je vous redemanderai de retirer peut-être la deuxième pendant que je montre le 70 qui n'est pas là et le 42 qui n'est pas là non plus. Et une troisième boule correspondant aux trois essais pour trouver le mot raton, le 34 qui malheureusement apparaît sur la dernière ligne et qui tout de suite nous fait nous inquiéter d'un nombre, le 16. Est-ce qu'on passe quand même à 200 $? Oui. Alors, allons-y tout de suite. Voici les prochaines lettres. E avec ou sans accent et J. Enjeu. E-N-J-E-U. Hé, hey, bravo! En un seul essai, ce qu'on appelle comme au golf, un trou d'un coup, une seule boule à retirer. Excellent. Et la boule retirée par Marie est le 4. Et malheureusement, le 4 apparaît aussi. Alors là, non seulement il y a le 16, mais il y a le 12 aussi dont on doit se méfier. Est-ce qu'on passe à 400 $? On passe à 400. Bien oui, pour l'instant, ça va bien. Allons-y tout de suite. 400 $ en jeu avec les lettres L et G. Linge. L-I-N-G-E. Excellent départ. Liège. L-I-E-G-E. Parfaitement. Liège. Très bonne main. Magnifique. Donc, deux boules seulement, à condition de ne pas retrouver le 12 ou le 16. Et malheureusement, Marie vient de retirer le 12. Vraiment pas chanceuse. Ça allait tellement bien par ça. Mais il nous reste beaucoup de temps pour faire des sprints et tenter de nous rattraper, comme on dit. 100 $ pour chacun des mots trouvés, avec, comme en première ronde, seule la première lettre du mot. Blanc. B-L-A-N-C. Bourg, B-O-U-R-G. Oh, c'est bien. Boule, B-O-U-L-E. Oui, boule. Alors, 100 $ on est en sprint avec la lettre C. Chant, C-H-A-N-T. Corps, C-O-R-P-S. Corde,
C-O-R-D-E. Corde. Ah, ça a permis de trouver le... Côtre. C-O-T-R-E. Côtre. Côté. Côté. Alors? Côté, C-O-T-E-R. Côté, oui. Et c'est bon pour un deuxième mot en sprint. 200 $ jusqu'ici. Voici le N. Nanti. N-A-N-T-I. N-A-N. Ah, oh, c'est V. Non, non, non. C'est, que, c'est une erreur d'épellation. N-A-N-T-I. Noble. N-O-B-L-E. Nurse. N-U-R-S-E. N-U-R-S-E. S-E. Nat, N-A-T-T-E. Nat. Navet. On l'épelle? N-A-V-E-T. Et voilà le mot qu'on cherchait. Ça, c'est un troisième mot de trouver en sprint. 350 $ jusqu'ici. R. Ronde, R-O-N-D-E. Recrue, R-E-C-R-U. Rital, R-I-T-A-L. Ruade, R-U-A-D-E. Ruade. Et dernier essai, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Ruban, R-U-B-A-N. Bravo, bravo, Lise. Ruban. La lettre E, avec ou sans accent, bien sûr. Épieux. E-P-I-E-U. Écart, E-C-A-R-T. Envol. Était-le? E-N-V-O-L. Voyons voir si, évidemment, ce n'était pas le mot. Donc, non. le mot était enfer. Et... Ça n'a pas été nécessairement l'enfer, mais non. Vous avez été vraiment malchanceuse. Vraiment, je le dis parce que vous étiez une très belle équipe, Marie. Merci. Et Lise. Merci. Vous allez quand même repartir avec un total de 850 $. Excellent. Et merci. C'est dommage de vous perdre parce que c'est vrai, je suis sincère en disant que vous étiez excellente. Au revoir. Merci. Au revoir. Eh bien, là-dessus, mesdames, messieurs, que voulez-vous? La chance n'était pas au rendez-vous pour Lise et Marie. Nous allons donc repartir demain en 9 avec deux nouvelles équipes pour la dernière de la semaine, dès 17 h.